Ce que Calédonie Ensemble veut dire à propos de la délinquance et de l'insécurité, c'est ce que tout le monde pense, mais que personne n'a l'honnêteté de dire jusqu'à présent. La vérité, c'est que les chiffres de délinquance ont considérablement augmenté, tout le monde le sait, et le sentiment d'insécurité s'est considérablement développé parmi les Calédoniens, tout le monde le sait aussi. Mais au lieu de souligner ça, ce qu'il faut, c'est examiner les causes de cette montée de la délinquance. Les causes, c'est l'abandon des politiques sociales et de prévention, en particulier en faveur de la jeunesse et des populations les plus défavorisées. Les causes, c'est l'affaire du drapeau, qui a très clairement été perçue par une partie des délinquants comme un encouragement ou une caution à leurs agissements. Et puis la vérité, la cause, c'est l'ambiguïté du discours de certains politiques sur le sujet, quand ce n'est pas parfois un encouragement pur et simple. Donc à commettre des actes d'incivilité ou de délinquance en se réclamant de telle ou telle appartenance politique. Donc ce que Calédonie Ensemble veut dire aux Calédoniens de la manière la plus claire sur ce sujet, c'est qu'au-delà des beaux discours, il faut agir. Si on veut réellement lutter contre la délinquance, il faut rétablir les politiques de prévention sociale. Il faut condamner le racisme de la manière la plus claire et la plus ferme qui soit. Et il ne faut pas avoir sur les questions politiques et de société, un discours ambigu et démagogue. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main.